Chers fidèles internautes, de partout où vous êtes en train de nous suivre, là nous sommes en direct de l'aéroport de Kolwezi. Enfin, nous sommes là pour accueillir l'homme de Dieu, l'homme de surnaturel, c'est bien lui, le visionnaire de l'église Intervient aux Voix. Je cite le bishop Léonard Matewi Lambalamba. Enfin, il va fouler ses pieds sur le sol de la ville de Kolwezi. Donc, restez avec nous. Cher papa, bonjour. À l'occasion de votre arrivée dans la province du Lualaba, nous, enfants de Dieu de la communauté Interviens et Voix, centre de Kolwezi, sommes dans la joie, une joie immense de vous accueillir chez vous. Nous vous souhaitons la bienvenue et un séjour chaleureux et meilleur. Karibu sana, papa. Voilà, il arrive déjà l'homme de Dieu, l'homme de surnaturel. Nous accueillons déjà le bishop Léonard Matewi Lambalamba, à qui nous disons bienvenue, homme de Dieu. Merci, je vous en prie. En tout cas, karibu kwetu kwenu. Vraiment, merci beaucoup. Quel message que vous apportez à la population de la Lualabaise? Là, nous sommes venus pour le rassemblement des enfants de Dieu pour la transformation du Congo. C'est un message que nous amenons à Lualaba. Afin que les gens comprennent que le temps de la distraction est terminé, les enfants de Dieu doivent prendre les choses en main pour que le Congo change. Pour que le Congo change, en tout cas, merci beaucoup. Ça, c'est juste la première étape et la deuxième étape tout de suite. Nous vous accueillons une fois de plus. Bienvenue.
Bishop, qu'est-ce qui justifie votre présence ici dans la province de Lualaba? Oui, nous allons tenir une conférence et puis nous allons prier aussi pour la population de Lualaba, de Kolwezi, les enfants de Dieu qui sont à Kolwezi. Voilà. On voit le pasteur habillé en t-shirt et foulard Redetco. C'est quoi Redetco? Ça, c'est un mouvement de masse. Hein. C'est pour les enfants de Dieu. Ça s'appelle Rassemblement des enfants de Dieu pour la transformation du Congo. C'est un mouvement qui est implanté partout au Congo, là où les hommes de Dieu, les enfants de Dieu prennent la décision de voir ces pays changer, parce que nous voulons que on en a assez, le pays doit changer. Les hommes de Dieu veulent que les choses changent. Comment cela est né? C'est une vision que Dieu nous a donnée il y a 2 années, il y a une 30aine d'années que ça existe. Et puis, c'est implanté partout au Congo. C'est comme ça. C'est une vision. Quand Dieu donne une vision, c'est qu'il sait ce qui doit se passer. Mais si, ça s'est dit par son nom. Rassemblement des enfants de Dieu avec un objectif, la transformation du Congo. C'est-à-dire le pays doit... Nous voulons que le pays soit un autre Congo est possible. Hein? C'est ça. En ce moment... Donc, c'est un questionnement, il faut que tout le monde voit, tout le monde sait que les choses doivent changer, c'est ça. Alors il faudra que les gens viennent, qu'on essaie de débattre là-dessus, c'est ainsi qu'on aura la conférence débat sur laquelle les gens vont donner des idées, parce que tout le monde veut que le pays change, tout le monde veut que les choses marchent bien, correctement. Voilà, c'est ça, c'est une réunion avec les enfants de Dieu, le pasteur... les responsables politiques, tous les enfants de Dieu qui sont dans des structures politiques. Mais nous sommes apolitiques. Nous ne sommes pas un parti politique, encore moins une plateforme politique. Nous sommes apolitiques, c'est ainsi que nous disons enfants de Dieu, qui sont soit dans la politique, dans les églises. Notre objectif, c'est voir ce pays changer. Trop, c'est trop, il y a 63 ans maintenant que le pays est depuis l'indépendance, c'est rien. Donc on doit changer les choses. Pour bien me comprendre, il faut aller venir à la conférence. J'invite tout le monde à venir assister à la conférence. Nous avons fait de telles rencontres partout. Hein. Nous avons fait à Kinshasa, Lubumbashi, à Kindu, à Matadi. Les gens viennent. C'est un mouvement de masse, hein, d'éveil de conscience. Quoi. Très chers fidèles téléspectateurs, en tout cas, restez fidèles à la Résolution Télévision pour ne rien rater. À très bientôt.